Is the home of the Cadillac car. They all are around, but they come from very far. I woke up in a hotel, didn't know what to do. I turned the TV on, wrote a letter to you. The news was talking about a dragnet up on the interstate. Seems they were looking for a Cadillac with Tennessee plates. Ils viennent des quatre coins du monde marcher sur les traces de leur précurseur, Antoine Lomé de la mode Cadillac. Le fondateur de la ville de Détroit en 1701 ne se doutait pas qu'un jour de juillet 91, son petit village natal de Saint-Nicolas-de-la-Grave serait envahi par les cylindres de la berline la plus célèbre du monde. Il n'avait pas prévu non plus cette fièvre de la belle américaine qui a poussé les passionnés à faire des milliers de kilomètres pour rencontrer l'esprit d'aventure intact du chevalier de la mode Cadillac. Ah, il serait devant, sûrement, il serait devant pour entraîner tout le monde. Parce qu'il avait vraiment un punch, une ténacité qui faisait que rien ne l'arrêtait. Au contraire, il allait toujours de l'avant. La renommée de la Cadillac, son confort, sa technique de pointe, mais surtout son design inimitable et pourtant imité. Les feux arrière, par exemple, de cet Eldorado des années 50, sont directement inspirés des ailes des avions de chasse américains de la Seconde Guerre mondiale. Le style Cadillac, c'est à la fois le luxe et la folie conjuguée. Come on, woman. C'est une voiture comme une autre, sauf qu'on l'a faite un peu plus luxueuse que les autres marques américaines. L'image Cadillac a une connotation de bien-être, d'aisance dans la vie. Et Cadillac a voulu, par ses extravagances, réserver un peu ses voitures à des gens extravagants. Voiture de film pour certains, mais pour les disciples du Sieur Cadillac, le mythe est en marche et il n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, je vous présente la compagnie Madame Cadillac. De Moissac à Auvillard, en passant par Castelsarrasin et Saint-Nicolas-de-la-Grave, les curieux se sont amoncelés tout le long du parcours emprunté par ces belles voitures. Aérodynamisme parfait, intérieur luxueux, que ne rêverions-nous pas un jour d'être au volant de ces superbes machines? Et sur le panorama du château de la Motte Cadillac, nous vous souhaitons un bon retour en attendant le plaisir de vous retrouver dans 2 ans.